merde. Alors si on veut faire les choses correctement, tu mets un tee là. Ouais. En fait, la balle, elle était là. Ouais. De là, tu cherches le point le plus proche, là où tu es plus gêné dans ton stance et dans l'exécution. D'accord. Du coup. Donc c'est ici. D'accord. Et après, tu as le droit à une longueur de club sans te rapprocher du trou. En plus, donc, je peux me décaler, donc tu refais encore une longueur de club ici. Tac, en gros, tu as le droit dans tout ce rayon là. J'ai pas le droit. Et globalement, la deuxième fois, si je peux te donner une astuce, faut que tu droppes sur une petite touffe d'herbe parce que si elle roule, après tu peux la placer sur la touffe d'herbe. Voilà. Genre, bah là. T'as le droit de la nettoyer et tu la mets. Voilà. Et donc là, Royal au bar. Je vais pas jouer à ma place. Donc là, tu viens de nous montrer comment on s'arrange un petit peu tranquillement avec les règles. Bah, dans les règles de l'art, évidemment. Quoi. Le truc, c'est que. Dropper sur la touffe, quoi. Il faut savoir se servir des règles de temps en temps. Donc, quand on a des drops comme ça, comme on sait que la balle va rouler à l'extérieur du club, où on a à l'intérieur duquel on a le droit de dropper la balle, et ben on essaye de dropper pour viser une petite touffe d'herbe pour pouvoir la placer après à l'endroit où elle est tombée. C'est l'art du dropping. Exactement. Faut être malin. Il y a tellement de règles qui nous avantagent pas que. Il faut bien qu'il y en ait une ou deux qui arrangent. Pour accrocher.